Hello, bonjour, bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver. Comment allez-vous? Alors, est-ce que tout le monde va bien? Coucou Nadine, hello Annelise, j'espère que tu vas mieux, ma belle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer comme d'habitude par le fait que vous me disiez si vous m'entendez, si vous me voyez correctement. Bonjour, bonjour. Invitez tout le monde à nous rejoindre. Bonjour Daniel, coucou ma petite Patricia, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Hello Rachel. Oh, coucou Émilie, ça va ma bichette? Bonjour, bonjour. Alors, salut Carole, bonjour Maritine, son et image ok, merci Mimi. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Elodie, t'as préparé les écouteurs Elodie? A priori, tout a l'air ok, je suis trop contente de vous retrouver, bonjour Sandrine. Je confirme que, il arrive à notre cher ami réseau social de me faire des petites blagues pas très cool, mais c'est donc du coup c'est confirmé et donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide pour pouvoir inviter celles et ceux qui ne seraient pas notifiés parce qu'effectivement eh bien les notifications n'arrivent pas donc j'ai besoin de vous s'il vous plaît eh bien partager cette vidéo pour informer tout le monde à nous rejoindre. Bon alors, ma petite Mimi, elle est pas en forme. Patricia, faut que tu prennes soin de toi. Elodie, je suis prête et je ferai le sac en replay. Pas de problème, pas de souci. Alors, a priori, tout a l'air de fonctionner nickel aujourd'hui. C'est trop cool. Je suis impatiente de vous montrer comment réaliser ce super sac cadeau. Il est trop, j'adore. C'est un grand format. Du coup, vous allez pouvoir mettre plein de surprises dedans, c'est vraiment trop chouette. Hello ma petite Fafa, je vais très bien et toi? Là, si je mets là, bon, juste devant moi parce qu'il est très gros. Il est trop beau. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Et du coup, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Parce que, vous voyez, par rapport, attendez, si je le mets là, à ma main. Eh bien, vous voyez que du coup, il y a de la place. Donc ça, c'est cool. J'ai mes deux écrans, je sais plus où donner de la tête aujourd'hui. Alors, shopping team, c'est trop ça. C'est exactement ça. Donc allez-y, partagez la vidéo pour inviter tout le monde, qu'on puisse eh bien, en faire profiter un maximum de monde. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que je relance une deuxième vague d'inscription pour... Je l'attrape, il est là. Le petit album photo du mois de novembre. Un kit super complet. Hop, voilà, j'essaye de le faire à l'envers, mais j'avais mon assistant la semaine dernière, mais là, il n'est plus là, alors... Voilà, hop, avec une super cascade. Vous pouvez mettre un minimum de 25 photos dedans. Et la petite surprise pour cette semaine d'inscription, c'est que vous pouvez choisir votre papier à motif. Si vous n'avez pas spécialement envie de faire avec un papier de Noël ou avec ce papier de Noël, eh bien, je vous laisse la possibilité de m'indiquer vos deux ou trois collections favorites. La seule condition, eh bien, c'est que ce soit du papier en 30-30 pour que vous ayez la possibilité de faire votre couverture et remplir les pages à l'intérieur. Donc, au format 30-30, mais dans n'importe quel catalogue, l'annuel, le mini, les exclus en ligne, parce que regardez bien, mais il y a des super super papiers dans les exclus en ligne, donc il faut aller jeter un œil. Voilà, je vous laisse le choix, vous avez plein de possibilités, quel que soit eh bien, le thème que vous voulez donner à votre album. Les inscriptions sont jusqu'à dimanche soir pour cette deuxième vague d'inscriptions. Il y en aura une troisième à la fin du mois. Bonjour Daniel, bonjour Jocelyne, comment allez-vous? Je vous espère tous et toutes en pleine forme. Je vous invite eh bien, à préparer votre matériel si vous avez l'intention de scraper avec moi en direct.
Et puis, si ce n'est pas le cas, installez-vous tranquillement. Petit thé, petit café, que sais-je encore, c'est votre petite heure, rien qu'à vous, pour apprendre à réaliser ce grand sac cadeau. Alors, c'est parti, mon kiki. Pendant que je tourne la caméra, allez-y, lancez les partages, lancez les invitations, que tout le monde puisse nous rejoindre, puisque Facebook me fait des blagues. Il veut pas partager et notifier les gens qui me suivent, le vilain. Le vilain. Hop, pour l'instant, le plan de travail est vierge et flou. Oh, c'est pas possible. Allez, allez, sois gentille, petite caméra. Sois gentille. C'était trop beau, hein? Jusque-là, tout allait bien. Hop, hop, hop. Voilà. Coucou Marie-Christine. Je me suis abonnée depuis quelque temps, je ne vois plus rien. Voilà, Jocelyne est la preuve en direct qu'il y a des soucis de notification. Coucou Martine, comment ça va? Donc voilà, je compte sur vous. Vous êtes mes alliés. Vous êtes mes sauveurs et sauveuses. Aujourd'hui et à chaque live pour que eh bien on puisse inviter les copains, les copines à nous rejoindre, sinon c'est trop bête. Alors, je décale ça. Voilà. Hop. Je vais peut-être remettre un petit peu plus de lumière, peut-être que le flou sera moins artistique, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Et du coup, on va pouvoir commencer eh bien notre petit sac cadeau. Oui, je vais avec le papier, tout ça, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors, on y va? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à scraper et à réaliser ce super sac cadeau? N'est-ce pas qu'il est beau? J'adore. Alors évidemment, le papier y est pour beaucoup, mais pas seulement, parce qu'il y a le format aussi qui est très très sympa. Alors aujourd'hui, ce n'est pas avec cette collection que je vais travailler, mais avec un papier design à motif qui est juste incroyablement magnifique. Regardez-moi ça. C'est du papier, alors oui, hein, de Noël, mais il est vraiment trop beau. Celui-là, il est pas dans les catalogues, il est sur la boutique en ligne et vraiment j'avais hâte de commencer à travailler avec et du coup je vais faire le sac avec ce motif-ci. Et regarde, vous allez voir, il est trop beau. Regardez-moi comme c'est classe. J'ai vraiment hésité en me disant je mets quel côté? Celui-là, celui-là. Vraiment j'ai hésité longuement, longuement, longuement. Bon, je vais partir sur les motifs de Noël, mais il y a tellement de possibilités. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez ces motifs, c'est tellement classe. J'adore. 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 Rouge et vert, on est dans le Noël ultra traditionnel, mais vraiment, vraiment, ça le fait. Ça le fait. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire là tout de suite à chaud sans réfléchir ce que vous en pensez. Regardez tous ces motifs, vous n'avez pas envie de vous y mettre au pied de la cheminée là? Moi je m'y vois très 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 bien, sans aucun problème, avec un petit chocolat chaud. Coucou Nathalie, comment tu vas? Regardez celui-là, on peut même s'amuser, celui-ci, alors peut-être que vous ne voyez pas très bien, il est en feuillage sauvage, on peut envisager de le coloriser par exemple, vous voyez? On peut coloriser les petites boîtes aux lettres du Père Noël. Hein? Oui, Rachel, je sais que tu l'aimes, tu as déjà beaucoup travaillé avec. Il est beau, Daniel. Hein? Regardez-moi ces motifs à l'arrière, vraiment, c'est incroyable. J'adore, j'adore ma prochaine commande dans ma liste. Bon, écoute, parfait, Patricia. Voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est incroyable, regardez-moi ces. Ces motifs, voilà, je suis fan, c'est un de mes nouveaux papiers préférés. Écoute, en ce qui me concerne, Nathalie, moi je vais plutôt bien. J'espère que toutes les personnes présentes vont elles aussi super bien. En tout cas, je le souhaite du fond du cœur. Alors, je vais prendre mes papiers et on va pouvoir démarrer. Alors,
Vous le savez, si vous n'arrivez pas à suivre ou si vous voulez le faire en replay, évidemment, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez retrouver sur mon site internet la fiche technique avec tous les schémas que j'ai encore une fois beaucoup, beaucoup détaillés. Mais vraiment, vous allez voir, c'est super facile à faire. J'étais partie dans l'idée de faire ce papier-là, mais finalement, non. Finalement, non, parce que j'avais envie de tester celui-là. Alors, c'est bon, on y va, c'est parti. Alors, première étape, nous allons faire deux plis sur le papier à motif. Attention, si le papier a un sens, vous allez bien suivre le même sens que moi, d'accord? Vous allez déterminer le bas du papier, ça sera très important pour la suite. Ok? Alors, comme d'habitude, je viens de vous le dire, vous pourrez retrouver la fiche technique avec les schémas. Mais au fur et à mesure, cependant, je vais vous montrer eh bien, le schéma. Voilà. Toc. Alors ça sera la fiche technique. Pour rappel, et celles qui l'ignorent, vous avez en haut à droite le QR code. Attention, ce n'est pas le bon pour l'instant, puisqu'on est en train de tourner la vidéo. Si vous imprimez la fiche technique, eh bien, vous aurez... Hop. Voilà, il faut que j'enlève mon bazar. Voilà, vous aurez le QR code que vous pouvez flasher pour retrouver encore plus facilement la vidéo. Et du coup, voilà, on va... Alors, comment ça s'affiche pour vous? Ouais, je vais peut-être le descendre à un chouïa. Bon, c'est pas mieux. Vous voyez, mon papier à motif a bien un sens ici. D'accord? Donc, on va faire un pli à 7,6, vous voyez? Mais bien sur le bas du papier. J'ai pas fait une bourde en vous mettant le papier sur le côté. C'est exactement volontaire. Donc on va faire un pli depuis la gauche, là, sur le bas du papier, à 7,6, sur eh bien, nos deux morceaux de papier à motif. Alors, on y va. J'attrape mon coupe-papier. Voilà. C'est parti. Et on va donc faire ce fameux pli à 7,6. Coucou ma petite Cécilia. Comment vas-tu? Toc. Voilà. Donc j'ai bien le sens de mon papier, vous voyez, et le pli sera sur le bas. Donc je me place à 7,6. On plie, on ne coupe pas, on est d'accord. Voilà, on marque un pli, ça sera tout pour celui-là. Idem sur le deuxième. Voilà. Hop, et on marque gentiment le pli. Oui, c'est du papier 30,5 par 30,5, Daniel. Ça va, ma petite Cécilia? Écoute, je suis en adoration devant ce papier. Alors, j'ai envie de te dire que oui, tout va très bien. Je le trouve tellement beau. Il est vraiment... Regarde-moi ces détails. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais par exemple, que je vois la caméra là. Vous avez vu tous les détails qu'il y a sur le verre, par exemple, ici, le petit cocktail là. Oh, franchement, ça fait rêver. Ok, alors. Je m'égare. Bon, après, on est passionné ou on l'est pas, j'ai envie de vous dire. Hein? Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors, on va prendre le papier uni, toujours un papier en 30,5 par 30,5. Coucou Christelle, bienvenue à toi. Veux-tu? Voilà. Et on va venir couper ce morceau de papier. Dans cette seule feuille, nous allons avoir un fond, les côtés du sac et le petit rabat du dessus plus la anse. On va tout faire dans cette feuille-ci. C'est magique. Le pli est à 7,6, Daniel. 7,6. Les pains d'épices d'Alsace vous attendent avec ce sac. Mais tellement, ma petite Fafa, t'as trop raison. Ça va faire de très beaux paquets pour Noël. Exactement. L'objectif pour moi, c'était ça. C'était de vous présenter un projet simple et en plus qui va pouvoir vous être utile très prochainement. Donc, c'est l'idéal.
Notre Fafa nous parle de l'Alsace, ça me fait penser, j'aimerais bien, peut-être que ça va susciter des futures rencontres, que vous mettiez en commentaire, vous qui êtes là, eh bien que vous mettiez en commentaire votre département ou votre région ou votre ville ou les deux, pour que, eh bien peut-être qu'à l'occasion, vous ferez des rencontres et puis moi, ça me permettra aussi de savoir un peu d'où vous venez. Alors, on y va. On va couper ce morceau donc de papier uni. Je vais vous remontrer. Je vais vous montrer tout court le schéma. Voilà. Donc, vous avez votre papier en 30,5 par 30,5. On va couper cette feuille en quatre sections. Les deux premières sections qui mesurent 10,2 de large vont être les côtés. La section de 7,6, ça va faire le fond. Et la dernière à droite, eh bien, ça sera la anse de notre sac. Je vous laisse observer quelques secondes le schéma avec les mesures et ensuite je retire et je le fais sous vos yeux. Fafa nous dit qu'elle est de Strasbourg. Ok, allez, on y va. Coucou Suzanne. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Suzanne? Bon moment pour avoir vu le magnifique. Alors, mais au bon moment pour avoir vu le magnifique projet de ce jour. C'est parfait. Marie-Christine du Var, Cécilia de la Manche, Jocelyne de Saint-Brieuc en Côte d'Armor. Oui, c'est un peu flou, mais ça va le faire, Daniel. Pas de panique. Allez, on y va. Première coupe à 10,2. Hop, on met là. Cambrai, Loche, Magny-en-Vexin, vous êtes de partout, j'adore, j'adore, j'adore. Continuez, continuez. Deuxième coupe à 10,2. C'est deux fois les mêmes, hein. On est d'accord. On a de la Haute-Marne, on a Lyon, on a l'Occitanie. Coucou Aurore, je t'avais pas vu. Aurore est dans le Nord. Deux fois 10,2 de large. Et cette fois-ci à 7,6 et ça sera notre dernière coupe pour l'instant. Et ça, on ne jette pas, je vous l'ai dit, hein, ça sera notre anse de sac. Ok, hop, on le garde précieusement, ce petit morceau ici de côté. Alors, on continue, on va venir travailler sur ces morceaux de papier unis ici. Coucou ma petite Martine, Martine qui est dans le Doubs. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors, hop, donc je disais, on va travailler sur nos deux morceaux de papier, enfin nos trois morceaux de papier unis. Pour l'instant, celui qui mesure 7,6 de large, je le mets de côté. Je vais m'attaquer dans un premier temps au côté du sac. Et en l'occurrence, vous voyez, on va faire tout. Hop. On va faire toute cette partie ici de côté. Alors, pour cela, nous allons, on va reproduire la même chose, hein, n'oubliez pas, sur les deux morceaux de papier. Et vous avez vu, j'ai pas fait à l'avance, donc je le fais en direct avec vous, comme ça va vous permettre de voir exactement ce qu'il en est. Suzanne est dans les Pays de la Loire. Il y a plein de régions que je connais pas, c'est incroyable. Toujours les préparatifs pour le marché de Noël. Bah oui, tu m'étonnes. Ok, premier pli à 1,3 cm. On y va. 1,3 cm. Allez, je vais vous montrer le schéma juste avant, ça va vous donner une idée. Donc là, on a fait la coupe du papier à motif et là, on travaille donc sur hop, les futurs plis. Ici, vous voyez. Voilà à quoi ça va ressembler. Patricia est dans la Loire, le 42. Il faudrait que je mette tout ça sur une carte de la France pour avoir un aperçu un peu de où vous vous situez toutes. Ça serait trop bien. J'avais commencé, mais il faudrait que je le remette à jour. Allez, c'est parti. 1,3 cm pour le premier pli. Enfin, je vais plus loin et je fais un autre pli à 8,9. 8,9 ici, donc sur le côté de 10,2.
Ça marche? Je retourne. Coucou ma petite Camille, comment tu vas? Mais oui, pas de problème, t'en fais pas. Je retourne mon papier, je fais un pli à 7,6 et un autre à 11,4. Alors, on n'a pas fini, mais je vous répète les plis. Sur le côté de 10,2, on fait un pli à 1,3 et à 8,9. Sur le papier, le côté de 30,5, donc le plus grand, on fait un pli à 7,6 et à 11,4. Tac, ça marche? Ok, maintenant que ça c'est fait, on va revenir sur notre côté ici à 10,2 et on va venir marquer un pli à la moitié, donc à 5,1, mais attention, on s'arrête à la... Attendez, je vais faire ça pour que vous voyez bien. À la première ligne horizontale ici, donc ça correspond à la ligne à 11,4 qu'on vient de faire. D'accord? Donc, je répète, on se place ici sur le côté de 10,2 et on va venir faire un pli à 5,1 en s'arrêtant à la première ligne horizontale que vous avez. D'accord? Hop, et hop, je m'arrête à la première ligne ici. Donc, pour obtenir, je vous remontre le schéma. Vous voyez, la ligne de 5,1, elle s'arrête bien, donc, à la première ligne horizontale. OK? Ça marche pour vous? Bien. Tant que j'ai le coupe-papier dans les mains, allez, je prends l'autre et je reproduis exactement la même chose. Alors, tout le monde ne nous a pas répondu là dans celles qui sont ici. D'où venez-vous? Quelle est votre ville? Quelle est votre région? Votre département? Dites-moi d'où vous venez. 1,3, 8,9, 7,6, 11,4. Je retourne. Et je me mets à 5,1. Toc, toc, toc. Et je m'arrête à la ligne horizontale. Parfait. OK. Alors. Je suis partie en bug. Excusez-moi. Tant qu'on a le coupe-papier, je vais prendre la bande de 7,6 par 30,5. D'accord? C'est la troisième que nous avions. Et je vais simplement venir faire un pli à 7, autant pour moi. Attention, arrêt sur image. À 2. Et non pas à 7. À 2,6. 2,6. Et en fait, ça correspond, cette partie-là. Hop, je le marque et je vous montre. En fait, c'est notre petit rabat ici. Vous voyez, on a fait le pli là à 2,6. C'est ça, en fait. C'est à ça que ça correspond. Bonjour Claudine, comment ça va? Région centre, Claudine, on n'est quand même pas très loin, en fait. Parce que 28 et 36, il y aurait peut-être moyen qu'on se rencontre, Claudine. Ça serait quand même chouette. J'adore. Ok, donc ça, hop, on met de côté, on verra ça après. Pour celles qui sont le plus à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez sans aucun problème, envisager de faire les diagonales avec le coupe-papier. Si vous n'êtes pas à l'aise, prenez un outil de pliage sans aucun problème. Coucou Monette. Je suis la plus ancienne dans l'Indre. Bah, c'est bizarre alors ça alors. Bonjour Tonton, comment ça va? Ma petite Camille est originaire du Poitou, mais oui bien sûr. Je vous remonte le schéma. Regardez, vous avez vu les petites diagonales dont je vous parle. Voilà, c'est ça que nous allons faire tout de suite.
Je prends ma règle. Encore une fois, si vous êtes plus à l'aise hein, avec le coupe-papier, n'hésitez pas. Une rencontre avec Harmonie. Écoute, pourquoi pas, hein? Le Cher n'est pas très loin de chez moi. Hop, voilà. Je positionne mon outil avant et c'est parti. Hop, je marque mes diagonales. Sandrine, elle est près de Rouen. Ça serait top que vous, si vous voyez quelqu'un qui est de la même région que vous, pas très loin de vous, que vous organisiez une rencontre. Ça pourrait être super chouette. Hop. Vous me croyez si je vous dis que je vois rien? Voilà. Voilà, nickel. Je positionne bien mon outil et je colle ma règle dessus comme ça. Je suis sûre de bien arriver à la bonne pointe. Ça me paraît pas mal tout ça. Gros bisous Daniel. Bonjour petite fée bricoleuse, comment ça va? Ok, on va procéder maintenant aux coupes. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à couper en fait. On va juste se séparer. Donc, des petites languettes qui sont en bas. Ici, nous avons nos diagonales que nous venons de tracer, d'accord? Et les deux rectangles qui sont ici et là, on va venir les couper tout bêtement. Alors, c'est pareil, je vais vous montrer... Où est-ce que vous allez couper? Donc sur mes schémas, pour celles qui ne le savent pas, les traits rouges sont des coupes. Vous voyez de quoi je vous parle? Vous avez à l'image ce que vous allez couper. Voilà. Alors, let's go, c'est parti. Hop. Moi, il y a Bernadette qui est de la Manche comme moi et qui j'ai déjà fait un échange. Oh. Oui, je vois, exactement. Je ne crois qu'elle n'est pas là aujourd'hui, Bernadette, mais t'as raison, Cécilia. Pas le moral avec la pluie. Oh, mais il va falloir changer tout ça. Un petit peu de scrap et ça va repartir comme en 40. De quelle région êtes-vous, petite fée bricoleuse? Hop, je viens couper là, couper là. J'aurais carrément pu attaquer puisque je veux biseauter la petite languette. Hop. Enfin, la grande languette, vous me direz. Voilà. Hop. Je viens. Hop. Voilà. Ok. Vous devez obtenir cette forme-ci et ce sur les deux morceaux. Ça marche? On peut y aller directement. Voilà. En biais aussi. Bon, ça vaut pas mes ciseaux, c'est en fin-up, je vous le dis. Hop. Coucou Audrey, comment ça va? Bienvenue. Je vous ai déjà vu sur l'élève. Je suis ravie de vous accueillir. Et donc, vous êtes de Normandie dans le 14. Bienvenue, bienvenue. Ok. Oh. J'ai appuyé fort sur mon papier. Ok. Voilà. Ça, en gros, on a fait le plus compliqué, si on peut dire, pour... Eh bien, comment dirais-je, je vais y arriver, pour la fabrication de notre sac. Alors, je vais ouvrir le ruban ici pour que vous voyez, vous ayez un aperçu. Voilà, donc c'est le ruban qui maintient notre sac fermé. Audrey, non, première fois, une première... Ah, super! Ravie Audrey, j'espère que vous allez passer un bon moment, justement. Voilà, on est en train de faire ce joli sac. Bon, avec une caméra un peu floue parfois, mais... Bonjour Sabrina du 69, génial. On a plein de monde de partout dans la France, j'adore. Alors, hop, on ouvre délicatement.
Et du coup, on découvre l'intérieur du sac. Tout bête. Alors, on y va. J'ai les paillettes du ruban. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? On vient marquer nos plis, tout simplement. Hop. Donc, les languettes ici, elles sont en montagne. Ici, le pli du milieu, il sera en vallée. L'autre en montagne. Oh, bah, il n'y a rien dedans. Non, Audrey, pas encore. Pas encore, pas encore. Bientôt. Bientôt, il y aura quelque chose dedans. Je vais probablement mettre certains des cadeaux de Noël de mes enfants. Enfin, pour les cadeaux qui vont rentrer dedans. Parce que, bon, évidemment, tout ne rentrera pas, mais bon. Petite fébriqueuse, elle est à Boulogne-sur-Mer dans le 62. Ah, c'est chouette. Bienvenue tout le monde. Bienvenue aux petites nouvelles. Sabrina, Audrey, bienvenue à celles qui font leur retour. Ça fait plaisir. Je suis contente de vous voir ici. Et je suis ravie de vous présenter ce projet. Ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Hop, on marque tout tranquille. Avec plaisir, Audrey. Audrey, vous scrapez déjà depuis longtemps ou même le scrap, c'est une grande première? Et vous, Sabrina, du coup, débutante scrappeuse, ancienne scrappeuse, qu'est-ce que ça dit pour vous? Hop, voilà, on marque bien tout ça, tranquillou. Et vous allez voir à quel point c'est facile. Audrey, elle scrappe depuis un an. Génial. Donc vous vous considérez encore un tout petit peu comme débutante, mais du coup, il ne faudra pas hésiter à partager vos projets avec moi. Je serais ravie de voir ce que vous faites. Plutôt cartes, plutôt album, plutôt home déco. Sabrina est débutante. Elle a réalisé sa première carte cette semaine. Trop bien! C'est pareil, Sabrina, il faudra nous partager. Ça serait cool qu'on puisse voir. Voilà, j'en profite pour marquer ça en même temps. Du coup, je vais attraper mon papier, hop, à motif qu'on avait déjà plié, enfin marqué tout à l'heure. Voilà. Oh, ça c'est pas bon, petite fébricoleuse. Bon courage, de tout cœur avec vous. Et en tout cas, j'espère que ce live va vous faire du bien. Il est où mon pli? Ah, il est là. Audrey, elle touche à tout. Génial. Sabrina, ah, avec plaisir pour voir vos créas. Coucou Muriel. Bonjour Harmonie, tes lives sont très accessibles, même pour les débutantes. Ça, c'est trop gentil, ma petite Muriel. Merci beaucoup. Et Cécilia dit à Sabrina, quand on commence, on peut plus s'arrêter. Tu sais ce qu'il en est, hein, ma petite Cécilia. Toc. Voilà, je viens marquer ça tranquillement. Vous savez, on est très nombreuses, hein, pour les accros. Merci pour votre abonnement, Sabrina, à ma page. C'est chouette. Merci beaucoup. On se dit toujours, ah oh là là, j'ose pas le couper, j'ose pas le couper, j'ose pas le couper. Ben là, il n'y a pas besoin de le couper. C'est trop bien. Avec plaisir, Audrey. Franchement, avec plaisir. Alors, allez, on avance sur le projet. C'est parti. Donc, vous avez vu, j'ai commencé à attraper mon papier à motif. Bien. L'idée, ça va être de servir donc de ces morceaux qu'on vient de préparer, d'accord, pour venir s'en servir pour assembler et créer notre sac, d'accord. Donc, première étape, notre première feuille de papier à motif, on va venir coller les languettes ici de chaque côté, d'accord. Ensuite, on prendra notre deuxième morceau de papier à motif, ok, d'accord, et on viendra le coller par-dessus ici. Ce qui fait qu'on aura plusieurs épaisseurs ici, donc ça va maintenir le sac, d'accord? La petite languette ici sera cachée, donc c'est super. Et regardez, avec les motifs, oh, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau l'intérieur de votre sac, comme il va être beau. Oui, je sais, je suis un peu folle. Pardon pour les nouvelles, mais je suis accro au papier, Stampin' Up et tout ça, bon en même temps, bref, mais en même temps, c'est justifié.
Et oui, les motifs tombent pile. Ok, j'avoue une chose, hein, je l'ai pas fait exprès. Je pensais pas que ça tomberait pile poil. Mais alors là, c'est parfait. Coucou ma Christelle, comment tu vas? Eh ben, Audrey, vous pouvez me les envoyer en message privé, il n'y a pas de souci. Voilà, viens. Alors, après être en pamoison devant tout ça, il va peut-être falloir que j'attrape mon tube de colle que j'ai laissé là-bas, évidemment. Hein, c'est ça. Christelle, le papier, il est dispo sur la boutique en ligne. Il n'est pas dans les catalogues, il est sur la boutique en ligne. Et il est dispo, archi dispo. Aucun souci. Donc, colle ou double face, c'est comme vous le sentez. Mais bon, avec la colle Tombow, on est tranquille, ça tient nickel. Et en plus, ça s'abîme pas dans le temps, donc pourquoi se priver? Alors, j'ai bien mon pli ici. Pour faciliter la pose, je viens m'aligner ici, vous voyez, au niveau de mon pli, comme ça. D'accord? Et du coup, je vais pouvoir venir rabattre ma petite languette ici, là. Comme ça. Ça, c'est bien vrai, Cécilia. On débute toujours timidement et après, ça devient assez spectaculaire. Surtout si l'on suit les tutos d'harmonie qui sont clairs et sans difficulté. Suzanne, c'est très gentil. Suzanne, il n'y a pas un live où elle ne me fait pas rougir. Plein de bisous. Ce raccord de malade. Je te jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je peux pas dire que j'aurais voulu, mais je peux pas m'accorder ce mérite. C'est le papier qui est juste incroyable. Et oui, ça tombe parfaitement. Ça va être génial. Franchement, j'adore. J'ai juste réussi à faire une carte cette semaine. Eh bien, félicitations, c'est déjà énorme. Quand on n'est pas bien, réussir à faire ne serait-ce qu'une création, faut en être fier. Bravo. Bravo, bravo. Hop. Vous pariez que je vais arriver à la fin de mon tube de colle. Me fais pas de blague, toi, hein? Là. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui n'avaient pas repéré ce papier. J'en suis sûre. Mais avouez, il déchire. Hop, on y va tranquille. Voilà. Hop. Nickel. Et du coup, comme je vous disais, donc on va venir coller l'autre morceau ici. Toc par-dessus. Voilà. Même l'intérieur du sac va être incroyable. Que demande le peuple, les amis? Hein? Franchement. Allez, on vient coller ça. Toc, voilà. Mais c'est normal, Martine, il n'est pas sur le catalogue. Il est sur la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne, dans les nouveautés. C'est pour ça. Et il y en a un autre aussi, papier de Noël, dedans, qui est incroyable. Alors là, je vais faire le même principe, mais alors je vais un peu manquer de place. Alors bougez pas, regardez. Hop. Pour la pose, je vais faire la même chose. Il me faudrait quatre mains. Là. Fait, c'est que je voudrais vous montrer. Voilà. Ok, je retourne mon papier. On ne met pas à pleine main, à plein doigt dessus. Voilà. Hop. On vient aligner. Bougez pas. Audrey, elle me dit j'arrive. J'adore. Pas de problème, Audrey. Hop, voilà. Ok, on pose tout ça bien à plat et on vient coller. Hop là. Du coup, je vais faire gaffe au raccord, hein, ça me paraît pas mal tout ça. Voilà. Je faisais parfois les créations avec les. Qu'est-ce que tu postais? Ah oui, c'est vrai, j'en faisais à une époque. Ah oui, Martine, je comprends. Oui, mais il faut jeter un œil dessus, faut ouvrir, faut cliquer sur chaque page chaque motif et du coup, on les voit en grand sur la boutique. C'est dans l'onglet exclus en ligne.
J'adore. J'adore. Ok. Je vérifie que j'ai pas fait de boulettes, c'est un peu tard, mais non, c'est bon, mes motifs sont dans le bon sens. Ok, alors du coup, eh bien, hop, maintenant il reste simplement à venir mettre de la colle ou du double face sur nos petits plis ici et de venir assembler le papier au côté. C'est tout simplement ça. Donc, soit toujours pareil, hein, soit colle, soit double face. J'ai oublié de biseauter. Alors, regardez, hop, à papoter là. Pourtant, j'ai essayé de t'aider en tenant le papier sur l'écran, mais ça suffit pas. C'est gentil d'y avoir pensé, en tout cas. Hop. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma Camille? J'ai hésité entre les deux papiers de Noël, j'ai pris l'autre. Ah, cool. J'ai hâte de voir vos créas après, de voir tous vos sacs là fleurir sur Facebook. Faudra pas oublier de les partager, hein, parce que moi, j'ai envie de voir ce que vous faites... C'est intéressant quand même, c'est important pour moi de voir vos créas après mes lives, voir ce que vous en avez fait, comment vous les avez adaptés. Voilà, allez hop, je vais venir coller ça et je vais attraper un autre tube de colle parce qu'évidemment, celui-là est vide. Hop, bon, c'est pas comme si j'en avais 15 à côté de moi. Hein. Voilà, voilà. Toc, nickel. Coucou Elodie, oui, pas de problème. Je savais que t'allais partir, il n'y a pas de souci. Il faudra que tu nous montres ta version. Hein. Faudra pas hésiter. Gros bisous. Voilà. Toc, toc. Alors, je suis embêtée avec ma souris là. Voilà. Je vais d'abord faire ces deux côtés-là dans le même sens et je viendrai faire l'autre après. Voilà. On n'hésite pas. On veut que ça tienne. Voilà. Allez, c'est parti. Première étape, on vient coller. J'avoue que je triche un peu en prenant de la colle, mais c'est aussi pour pouvoir rebouger s'il y a besoin. L'idée, c'est de bien aligner. Avec le papier uni. Prenez le temps de faire cette étape, c'est vraiment la finition de votre sac. Donc, tranquillou. Votre transmission de bonne humeur nous transporte dans la bienveillance dans ce monde d'angoisse. Waouh, merci Martine. Ouf, vous me donnez chaud aujourd'hui les filles. Hein, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vous savez que j'aime être en live avec vous, partager avec vous tout ça là. Hop, là. Voilà. Et vraiment, on prend le temps d'aligner notre papier à motif avec notre bordure de papier uni. Tranquille, tranquille, tranquille. Un bout après l'autre. On laisse le temps à la colle de faire son job. D'accord? Parce qu'elle va le faire, son job, mais il faut que nous aussi, on fasse le nôtre tranquille. Voilà, vraiment, on prend le temps de bien aligner. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir le mettre là. Hop, et je vais m'aider pour bien appliquer. J'ai les enfants qui m'appellent. À bientôt, ravie d'avoir partagé ce court moment. Moi aussi, Audrey, je suis très très contente. Bon après-midi à vous et à très bientôt, j'espère. Petite fée bricoleuse, j'avoue, ce petit live me fait du bien. Voilà quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien aussi parce que c'est ça aussi le monde du scrap. Et oui, c'est de pouvoir passer un moment ensemble, se faire du bien. Dans la bienveillance, la créativité, découvrir des belles choses. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué.
C'est vrai que tes lives nous apportent de la douceur et un moment de joie et de partage, ça nous fait du bien. Et ben moi aussi, ça me fait du bien. Je vous assure que c'est partagé. C'est pour ça que c'est aussi agréable aussi. C'est parce que c'est réciproque. Tout simplement. Zénitude et patience sont les mots-clés de ce projet. Oui, parce qu'en soi, il n'est pas compliqué. Hein. C'est juste parce qu'on veut que ce soit nickel, en fait. Bon, comme tous nos projets, j'ai envie de vous dire, mais... Voilà, là, on sait que ce sac aura un but, il va servir à faire plaisir à quelqu'un. Donc, mettons-y tout le cœur qu'il mérite. Voilà. C'est simple, mais pas évident à coller. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il s'agit juste d'aligner tranquillement le papier avec la petite languette, vraiment. En soi, vraiment, vraiment pas compliqué. C'est prendre le temps, y aller en douceur. Voilà, comme ça. Hop. Ça dit quoi là? Ça dit c'est pas mal. Nickel. Déjà à soi-même pour l'avoir réalisé. Oui, Suzanne, je suis tout à fait d'accord. Et là, pareil, je reprends mon plioir et je viens à l'intérieur l'appliquer, voilà, pour bien faire adhérer la colle entre les deux papiers au cas où il y aurait des petits endroits où ça n'aurait pas pris. Voilà, je le vois moi là-bas dans le coin. Voilà, j'appuie bien. Voilà. Alors déjà, regardez-moi ça. L'intérieur est incroyable. C'est vrai que je fais pas de live sur Insta, mais bon, je fais sur Facebook, sur YouTube, puis il y a les replays. Mais du coup, ça me fait plaisir que vous soyez là quand même. C'est quoi votre petit nom, petite fée bricoleuse? Vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez rester anonyme, je le respecte à 100%. Je viens appuyer un petit peu là, vous voyez, donner le pli à tout cet ensemble pour qu'on puisse après faire l'étape qui nous attend, c'est-à-dire ajouter le petit rabat du dessus. Ok ? On peut y mettre un beau foulard. Mais ouais, on peut mettre plein de choses en fait, parce qu'il est quand même assez conséquent. Enchantée Cindy ! Enchantée ! Pareil, hein, en douceur, tranquille, tranquille, voilà, ok, déjà, j'adore, je suis pas objective, hein, faut pas m'en vouloir. Je reprends donc le petit bout là qui nous restait ici, sur lequel nous avions tout à l'heure fait un pli à 2,6, si vous vous rappelez bien. Je vais... arrondir les angles, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, que nous dit Sabrina? Le scrap me fait de l'œil depuis plusieurs années, mais je n'avais pas osé me lancer. Une amie scrapeuse m'a été pour faire ma première carte. Et là, de voir votre live, ça me donne envie d'essayer plein de trucs. Mais la frustration du manque de matériel me guette. Sabrina, je comprends à 3000% ce qu'il en est. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que... j'ai profité d'avoir 20% de réduction, hein, j'ai envie de vous dire, parce que je suis devenue totalement accro rapidement. Et qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Voilà, mais en même temps, vraiment, quand on voit ça, j'adore. Il faut combien de centimètres, s'il te plaît? Peut-être tu l'as déjà dit. 2 centimètres, pourquoi, ma petite dame? Je ne suis pas... pas gourmande, mais il est bien spacieux, rien que d'imaginer les bonnes choses à mettre dedans. Tu m'étonnes. Je suis tellement d'accord. Alors, arrondir les angles n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne une petite touche en plus. Vous voyez? Ok. Alors, donc vous avez compris, l'idée, ça sera donc de venir poser ça ici. Vous avez vu ça? Ça peut même rester comme ça sans la petite anse, hein, en vrai.
Bon. Mais on va percer les trous d'abord dessus pour pouvoir insérer le ruban. Pour ça, crayon, règle et un truc pour perforer. En l'occurrence, j'ai pris ma crocodile. Ok ? Alors, l'idée, là, c'est vraiment pour guider les plus grandes débutantes. C'est de faire quelque chose d'assez uni, ok. Donc là, faites attention, vous voyez, j'ai le petit pli, je le mets à l'intérieur. Les avantages des mots aident bien, tu m'étonnes Camille, surtout quand on est accro. Donc j'ai mon pli. Je vais faire deux petites marques depuis le haut. Alors, je vous remontre, regardez bien, attention. Bougez pas, voilà. J'ai mon pli. Je le rentre, bien, ok. Je vais faire deux petites marques qui vont partir du haut vers le milieu à 1,3 cm. Et depuis les côtés à 5,1 vers l'intérieur. C'est simplement pour se guider, d'accord, pour pouvoir bien poser proprement et joliment notre ruban. Donc là, je me place à 5,1 sur la droite. Je me fais une petite marque légère. Je vais de l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Et une marraine comme toi, c'est le rêve. Comment elle est mignonne, ma petite Camille. Petite mignonne. Hop, et... Quoi? J'ai fait une boulette, là. C'est pas 5,1, c'est 10,2. Je vous explique mon erreur. Quand je vous fais les schémas sur mes fiches techniques, je fais à l'échelle 1,5 sur 1. Donc je réduis, je divise par 2 tout pour que vous ayez un schéma identique aux mesures, mais divisé par 2. Et du coup... Au lieu de mettre 10,2, j'ai mis 5,1. Vous avez les coulisses. Donc, erratum, 10,2, ça va aller vachement mieux. Et 10,2 ici aussi, autant pour moi. Voilà. Et par contre, depuis le haut, c'est toujours à 1,3 cm. Hop. Donc, 1, 2, 3, voilà. Donc, mon perçage sera ici et ici. Alors après, vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, hein, n'hésitez pas à le faire à main levée, à centrer votre trou sans problème. Là, c'est vraiment pour guider les plus débutantes qui en auraient besoin. Je ne vais pas percer tout de suite parce que je veux que ce soit un ensemble avec le sac. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller à l'arrière du sac cette partie-là. Et ensuite, je vais venir percer l'ensemble du sac. Donc, je récapitule. Je vais venir coller là. Hop. Je vais venir coller la bande à l'arrière ici. D'accord ? Et après, je vais venir percer. Coucou Lydie, comment ça va ? Oh, c'est rare que je te vois en live, je vais faire des commentaires en live. Je suis en plein préparatif anniversaire de mon dernier bébé de 20 ans. Ouf, le projet est merveilleux, je vais le faire très très vite. Bon scrap à tous, avec la reine des scrapeuses, Harmonie. Gros bisous ma petite Lydie, éclate-toi à faire les projets pour ton fils, t'as bien raison. Hop, allez, je viens coller... Ici, voilà. Voilà. Hop, je referme mon sac. J'englobe le tout. Pareil, je fais attention de bien aligner sur les côtés. De bien emprisonner le tout. Voilà. Nickel. Nickel, nickel, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, je vais pouvoir percer là où j'avais fait mes marques. Tout simplement. Et du coup, ça va tout me couper ensemble. Et ça va être trop bien. J'ai fait les gros ou les petits trous? Je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Vous en pensez quoi? Gros ou petit trou? Petit ou gros trou? Gros, gros, flou, ça suffit.
flou. Là. Tu louches? Ouais, ben moi pareil. Ok, allez. Ouais, j'avais pris le gros. En plus, il est déjà réglé. Voilà. Hop, et du coup, je perce le tout d'un coup et ça va être super. Je n'aurai plus qu'à insérer mon petit ruban. Voilà. Toc. Toc. Évidemment, on n'oublie pas d'effacer nos petites marques que nous avons faites. D'accord ? Parce que c'est quand même ballot de laisser ça. La caméra le fait exprès pour qu'on voit la super déco de tes ongles. Ouais, j'avoue, je suis hyper fan. J'ai ma prothésiste angulaire. C'est mon petit plaisir du mois, mon petit cadeau que je me fais tous les mois, depuis le mois dernier seulement. Hein. Je dis tous les mois, mais voilà. Elle est incroyable. Je ne peux pas faire autrement. Attends. Est-ce que ça va le faire? Coucou Isabelle, comment vas-tu? Bah justement, on était en train d'en parler de mes ongles. Attends, je voudrais que vous... On voit pas bien, hein? Là. Il y a les petits oiseaux sur la branche, j'adore. Un flocon blanc mat. Sois gentil, petite caméra, là. Oh, j'adore. Elle est trop douée. Elle est hyper, hyper, hyper douée. C'est un vrai bonheur. J'adore tes ongles. C'est cet outil qu'il faudra que j'achète. Quel outil? Ah, la Crocodile. Oui, c'est pratique pour faire les trous, ça, c'est sûr. Hop. Allez, je peux insérer mon ruban maintenant à l'intérieur. Enfin, au travers, plutôt, pardon. Voilà. Hop. Voilà, alors du coup je le mets dans le bon sens parce que je veux qu'il soit bien à plat derrière, vous voyez. Voilà, bien à plat, c'est beaucoup plus joli. Hop. Évidemment, j'ai pris du ruban doré. Hein. Hop, et je vais pouvoir faire mon petit nœud à l'avant. Il va nous rester juste la petite anse à faire. Et vous allez voir comment on va la placer. Bougez pas. Je termine ce petit nœud-là. Hop. Elle est où ma boucle? Elle est où ma boucle? Elle est là ma petite boucle. Voilà, ça va être super chouette avec... Pour la petite anse qui nous reste ici, vous allez voir, ça va être très simple. Déjà, on va le passer, vous savez, comme du bolduc. Voilà, très légèrement, comme ceci. Voilà. Je vais retourner mon petit sac. L'idée, ça va être de venir coller ici à l'arrière. Toc. Voilà. Et de le retourner et de venir coller de chaque côté de notre ruban. Tout simplement. C'est pas compliqué, vous allez voir. Donc, je mets à peu près sur 1,5 cm, 2 cm de la colle. Voilà. Hop. Là encore, il faut être un peu patient, hein, parce qu'il faut vraiment que la colle ait le temps de prendre ici. D'accord. Donc, je me mets juste au ras ici et au bord du petit trou que j'ai percé. Dac. Voilà. J'attends vraiment quelques secondes parce que comme on va vouloir tourner la anse ici pour venir la coller là, hop, vous avez vu? Voilà, exactement. Donc, on patiente 3 secondes, peut-être même un peu plus, que ça reste bien, bien, bien collé, bien accroché. D'accord? Vraiment, on prend patience. Mais en attendant, regardez ça. Ce grand sac. Trop beau. J'adore. Il est incroyable ce papier, vraiment. Je n'ai aucun regret sur le choix du papier.
Voilà, je vais en profiter tant que la colle s'imprègne pour hop, toc, comme ça. Voilà, ça sera quand même plus joli, n'est-ce pas? Ok, alors, est-ce que tu tiens? Ça a l'air un peu mieux. Donc l'idée, vous voyez, j'ai la bande comme ça, c'est de la retourner ici. Donc, si on n'est pas sûr que c'est pas sec, là où il y a mon pouce gauche, on attend, d'accord? Ce qu'on veut, c'est venir coller ici de la même manière au bord. D'accord? Donc, la colle ira à l'opposé de ce qu'on a fait, puisqu'on le tortille un peu. Et avec le plioir en os, s'il y a besoin, on accentuera l'arrondi. Hop. Voilà. Et là, pareil. On patiente un petit peu, parce qu'on ne veut pas que la hanse s'en aille. D'accord? Si vous voulez mettre du double face, évidemment, vous pouvez sans aucun problème. D'accord. Zéro problème là-dessus. Voilà, ça me paraît pas trop mal. J'effacerai ma petite coulure après, quand ce sera bien sec. Et voilà. Ça y est, on a notre petit sac cadeau. Hyper beau de Noël, j'adore, j'adore. Ça donne envie d'en faire plein, avec plein de papiers différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, moi, ça me fait rêver. J'adore. Y a l'originalité de la taille, la simplicité. Voilà, juste deux feuilles de papier à motif, une grande feuille de papier unie qui nous permet d'avoir les quatre morceaux qui compose l'intégralité du sac. Finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et du coup, on fait un truc incroyable avec trois feuilles de papier 30-30. Elle est pas belle, la vie? Franchement, c'est pas compliqué. Il faut prendre le temps de bien ajuster chacune des parties, de bien aligner les papiers, etc. pour vraiment avoir un beau rendu et que ce soit qu'on soit super fiers de nous, vraiment. Ou alors tu me demandes mon aide et j'essaierai de nouveau d'appuyer plus fort à l'écran. C'est gentil Suzanne, merci beaucoup. Dedans on peut mettre des chocolats ou bien ça risque d'être lourd. Non, non, c'est possible de mettre des chocolats. Et si vous avez un doute sur, sur le maintien par rapport à ce que vous allez mettre dedans. Avant de mettre la deuxième couche de papier à motif, vous pouvez sans problème rajouter une bande de papier uni que vous aurez préparé à l'avance, d'accord, pour mettre une couche de papier uni supplémentaire entre les deux papiers à motif. Je ne sais pas si vous me suivez. Entre les deux papiers à motif, vous rajoutez une bande de papier uni, d'accord, et du coup, ça vous donne un support supplémentaire, un soutien supplémentaire si vous pensez que le poids que vous envisagez de mettre dedans risque de l'abîmer. Trop beau pour le donner. Oh, Daniel, quand même. Je m'y mets, merci pour ces moments magiques qui me donnent du baume au cœur. C'est trop gentil, ma petite Rachel. Ça me fait vraiment très, 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 très plaisir. Allez, je reviens vers vous par ici. Coucou à celles qui ne me connaissent pas. Ravie de vous rencontrer. Et du coup, voilà, on a notre petit sac. Regardez. Non, là. Là. Hop. Notre petit sac. Notre grand sac. Voilà. Tout beau. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc ça, ce papier-là, il est sur la boutique en ligne. Il s'appelle Saint-Nicolas traditionnel. Voilà, si vous avez besoin des références, il suffit de me les demander. Il n'y a pas de problème, je vous les transmets. Hop, et puis vous pouvez envisager, si vous le souhaitez, de commander le kit album et de le faire avec ce papier. Par exemple, ça c'est possible. Vous choisissez le papier que vous voulez et du coup, voilà, peu importe lequel, les inscriptions pour l'album, c'est jusqu'à dimanche soir pour la deuxième vague. Je suis trop contente de vous avoir partagé ce live. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, grâce à vous, j'ai passé un super moment. Je me suis éclatée à papoter avec vous, de vous avoir présenté ce sac.
Merci Camille pour la référence du papier, c'est trop gentil. Moi aussi, je vais en composer pour le marché de Noël. Au moins, c'est aussi un sac personnalisé qu'on peut garder, donc recyclable. Et là, je vais en faire un pour... Gros bisous, ma petite Lydie, c'est trop gentil. On peut toujours l'offrir, laisser le contenu, récupérer le contenant. Vous êtes des chippies. Vous êtes des chippies. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie de papoter, envoyez-moi un petit message. Je serais ravie d'y répondre. La semaine prochaine, ça sera toujours pas une carte, un petit projet en 3D, toujours avec une seule feuille de papier à motif. Vous allez voir, c'est chouette. Je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau live. Bien sûr, comme d'habitude, de l'inspiration tout au long de la semaine sur ma page et sur Insta. Je vous embrasse très 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 fort. Et surtout, prenez soin de vous, éclatez-vous, créez. Vous allez voir, ça fait trop de bien. Bisous, bisous tout le monde. Ciao!